C'est okay. Qui t'éblouit. What we'll do is we'll just send the transcript. To, you just answer in French, and we'll send the transcript like we did last time. Okay. So for you, the question is, you're many time zones away from France. How different is your preparation and getting ready for a match that's, you know, your body clock, and how do you prepare? T'as été du coup pas mal sollicité dernièrement, notamment avec la France. Du coup, comment là, pour ce tournoi, tu te sens par rapport à la différence, décalage horaire, pardon. Et du coup, comment tu te sens là? Culture, food, ouais, time la zone. La nourriture, le changement de temps. Ah, c'est vrai que ça a été massif. Oui. Ça a été un peu compliqué au départ de se recaler et de retrouver un rythme ici, parce qu'il y a quand même pas mal de décalages horaires, mais voilà, avec le staff, on a réussi à trouver un équilibre et à faire en sorte que nos journées soient occupées pour éviter de dormir à certains moments où il ne faudrait pas. Et voilà, je pense qu'on a retrouvé un bon rythme. Personnellement, je me sens bien, et voilà, ouais, je me sens bien, et je n'ai pas eu trop de problèmes à trouver le sommeil ici, malgré le fait que ça soit un peu différent de ce qu'on fait en France, mais voilà, c'est ça a été. Thank you. And then for you, Sonia, you're preparing for a match against a team you don't know very much about. You know, I think in your mind you were ready for Chelsea or Thorns, but tell us how you prepare and how you find information on them, because Eh ben, ça va peut-être vous surprendre, mais très rapidement avant le tournoi, j'ai dit qu'il fallait se concentrer sur un match à la fois. Donc, en tout cas, moi et le staff, on était concentrés sur le match de Chelsea. Et en fonction du résultat, on préparait le second match. Donc, je n'avais pas anticipé le fait qu'on puisse jouer face à Portland, parce que d'une, on voulait déjà battre cette équipe de Chelsea et ensuite attendre le résultat de Portland-Monterrey. Et je pense qu'on a bien fait. Ne jamais trop anticiper. Dans certaines situations, ça peut être bien, mais dans d'autres, il ne faut pas être trop confiant, trop vite. Donc, nous, l'idée, c'est de respecter tous nos adversaires. On jouera la finale du tournoi face à Monterrey. Effectivement, c'est une équipe qu'on connaît un petit peu moins que les autres, mais j'ai un staff qui étudie bien les adversaires. Donc, entre Maeva, l'analyse vidéo, qui a regardé des matchs du championnat mexicain, on était présent aussi pour voir le match face à Portland. Donc, on a assez d'informations pour bien préparer le match de demain et du coup, bien respecter cette équipe de Monterrey, puisque c'est une équipe qui a de la qualité individuellement et collectivement. Because they have nothing to lose, you know, in the match against the Thorns, you know, at the beginning, you thought, oh, you know, this, and then they got into a better rhythm. And they have nothing, you know, when you speak to them, everything is disfrute, which is, you know, they're just enjoying the moment. So how do you relay that to your team? Oui, on est un peu dans le même état d'esprit, c'est-à-dire qu'on est content d'être ici. On l'a dit, c'est un bon tournoi pour nous avec des matchs de haut niveau. On se concentre beaucoup sur notre équipe parce qu'on a du travail, on est en pré-saison et du coup, c'est des matchs qui doivent nous servir de base de travail, mais c'est des matchs de haut niveau. Donc voilà, on respecte l'adversaire, mais on travaille surtout sur notre façon de jouer et ce sera le cas demain face à Monterrey. On a voulu aussi travailler sur notre modèle de jeu face à Chelsea, donc on gardera le même état d'esprit. Content d'être là, respecter l'adversaire et du coup mettre les ingrédients nécessaires pour se donner les moyens de gagner le match de demain. Great. And then for you, how is the mood in the locker room? You know, you have a chance to do a championship prior to your season. Du coup, comment va le vestiaire, l'ambiance et l'état d'esprit, sachant que là, on a la possibilité de faire un match et de gagner un premier titre avant de démarrer la saison. Bah, l'état d'esprit du groupe est très bon. Voilà, on est des compétitrices, on aime gagner. Et voilà, on sait que demain, on a une finale. Et on va aborder ce match en voulant gagner cette finale. Voilà, je pense que tout le groupe sait ce qu'il a à faire. On connaît tous notre objectif. Après, c'est un tournoi de préparation aussi. Ça nous aide à nous préparer pour les échéances aussi à venir durant la saison.
et ce serait bien de commencer par une victoire de demain. Thank you both and good luck tomorrow. Congratulations for being in the final. Thank you.